J'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va super bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Far Cry 4 et comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, on va prendre toute la partie là, voilà, tout ça, et on va y aller non pas, je suis pas enchantant, pas enchantant. On va y aller en voiture hein. Alors par contre y'a un mec qui vient de s'exciter, c'est bizarre. Bref, donc on va prendre deux avant-postes, une tour radio et puis on va voir pour prendre un troisième avant-poste si possible. Alors ensuite on va avancer dans les quêtes et on fera la forteresse quand ils monteront dans l'histoire pour éviter de... Parce qu'à un moment ils nous diront oui la forteresse était a été affaiblie, vous pouvez attaquer sans problème. Donc voilà. Alors j'espère que vous allez bien, moi franchement pour ma part ça va vraiment vraiment super bien. Bon, cette vidéo, toutes les vidéos de Far Cry je pense que... elles vont être tournées pendant les grandes vacances. Tous les épisodes de Far Cry ont été tournés pendant les grandes vacances. Donc ça sert à... Donc je vais mettre 2 à 3 épisodes par semaine à partir de maintenant. Donc voilà ce qui va se passer. Voilà. Donc par contre, désolé, je ne vous aide pas. Voilà. Donc franchement, oui, voilà, je vous l'annonce, tous les épisodes vont être tournés pendant les vacances. Donc c'est pour ça que des fois vous allez me dire de faire des choses alors que ben je pourrais pas parce que ça aurait déjà été fait. Donc voilà. Là, on est au mois de juillet, début juillet. J'ai la tournée des 20, j'ai tourné une vingtaine d'épisodes de Far Cry. Je compte tout tourner durant le mois de juillet et fin août. Donc voilà, ça je vous dis, je vous le cache pas, franchement je profite de mes vacances pour record. Parce que après à la rentrée ça va être vraiment impossible de record parce que ben comment dire, je vais être au lycée et donc au lycée je vais mettre à bien travailler pour avoir mon bac facilement. Même pour avoir mes bacs facilement, etc. pour bien réussir mon lycée quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ça pendant les vacances, comme ça en fait j'aurai pas mal de contenu à proposer. J'ai aussi lancé le deuxième let's play pendant les vacances, je vais voir. Dès qu'on aura fini Far Cry 4, je lancerai le deuxième let's play en parallèle, donc ce sera le samedi que ça sortira. Donc en fait il y aura un épisode de Far Cry le mercredi, un épisode de Far Cry le vendredi, et peut-être, oui donc ce sera sur l'épisode du nouveau let's play dans le samedi quoi. Je me réserve ces créneaux-là. Après, je sais pas si Enda, etc. vont faire des vidéos dans pas longtemps. Parce que là, en ce moment, bah, ils sont pris, quoi. Enfin, je le comprends entièrement. Ou bien, ils ont pas forcément l'envie ou le temps de les faire. Moi, personnellement, j'ai vraiment beaucoup de temps. Donc, par contre, ouais. Un poussé quad. Bah, ils ont pas forcément le temps et l'envie de faire ça tout de suite. Donc, je les comprends fortement. Hein. Voilà. Moi franchement là j'aime bien, j'adore record, très sincèrement j'adore poser ma voix sur un gameplay, j'adore poser ma voix sur un let's play donc c'est pour ça que je fais ça quoi, enfin c'est pour ça que je fais vraiment ça par plaisir donc voilà, si après si je fais beaucoup d'épisodes c'est parce que ma connexion ne me permet pas de faire des longs épisodes, sinon je ferais des longs épisodes de 50 minutes. C'est pour ça en fait que des fois je me dis oui mais en fait je suis pas comme les autres let's players qui font des épisodes de 50 minutes. Voilà, alors je parle vraiment énormément là parce que c'est pas... Parce que c'est la route quoi, la route c'est pas vraiment très intéressant. Donc l'échelle là, je peux l'emprunter, on est d'accord. Je peux pas l'emprunter, ouais, de elle. Ouais. Juste parce qu'il y avait ça. Ok, juste parce qu'il y avait des bouts de carton, il pouvait pas les pousser avec son pied. Trop compliqué pour AJ, hein, franchement. Faut le comprendre, le petit. Alors... Ensuite, j'ai vu qu'il y avait une histoire de grappin. Alors s'il y a un accès là, c'est que ça va servir à quelque chose. Hein. Ouais, faut que j'ouvre mes œillères. Non, je peux pas aller là. Okay, j'ai fait une belle chute. Je lui cale un plus, MDR. Hop, on monte. Donc grappin, il y a où? Il y a là un grappin. Attendez, comment on fait? Parce qu'en fait on va arriver de l'autre côté. On va arriver là. Là on peut pas encore monter. Attendez. Je sais pas, on peut pas y accéder ici. Je viens d'essayer, on peut pas. Alors. Bon, on va essayer. On peut pas. On peut vraiment pas. On va se soigner. Alors, comment on fait? Please, expliquez-moi.
Tell me how to do. On va remonter. Je vais galérer sur une tour radio. Hein. Je peux pas grimper là. C'est un raccourci pour aller là-bas. Donc je pense que dans tous les cas, faut aller là. Dans tous les cas, s'il y a un accès là, c'est pour aller là. Ensuite, au-dessus, on peut pas monter. Parce qu'il veut pas tendre ses bras. Là, si on court, j'ai déjà essayé plusieurs fois, je sais pas si c'est vraiment ça pour faire. On peut pas. J'ai beau m'efforcer, j'y arrive pas. Donc. On va tuer ce messager parce que ça m'énerve. Rêve, voilà. Ensuite. Donc, on monte. Je vais galérer avec une tour radio, non mais. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. C'est un truc banal, quoi. Ici, on peut pas y accéder. On peut pas, en fait. Comment on fait? Simple, hein, comment on fait? Parce que le grappin... On peut pas accéder là. Là-bas, on peut pas accéder. Alors, faut regarder les câbles. Il y a des câbles de grappin. Donc, il y en a un. On voit pas. Ah, putain. Un câble là. Il n'y a pas un truc à péter. Oh, je suis teubé. Je suis vraiment teubé. Voilà, donc là on peut monter. Donc là on monte. Voilà, c'est bon. Je sais pas s'il faut encore monter. Ouf, fais gaffe. Voilà, ensuite faut monter là. Après c'est plutôt guidé. Hein. Voilà, je tiens une balle de sniper. Ouais bon, cette tour là était un chouïa, pas dire dur, mais difficile à comprendre. Pas la même chose. Hop, donc on va activer ça. Merci. Merci DJ pour cette violence sur une boîte. Pense à la famille de la boîte, s'il te plaît. T'as déjà tué 13. Enfin 12, plus 16, ça fait 13. Calme-toi. Ouais. Casque haut. Bref. Bon. Alors, maintenant qu'on a une tour radio, on a les accès à peu près partout. Donc là, il y a un truc qu'on devrait y aller. Si je veux, attends. Quand bûcheron Kéo, on va aller là. Hein. C'est par où? C'est par où? C'est par là-bas. Voilà. Hop, on va aller là-bas en wingsuit parce que c'est la vie. Essayez de pas crever. Hein. Donc voilà. Essayez de pas tomber. Non, voilà. Tout ce que je voulais pas. Alors, donc j'ai pas de seringue de soins, mais bon, on va faire avec. J'ai juste regardé si mon micro était pas coupé. Parce que sinon je dois recommencer tout l'épisode. Non, donc voilà, donc, le micro est pas coupé. Hop. Alors. Putain, il se déploie vite. Ils se sont déployés vraiment putain de vite là. Alors par contre toi tu vas te calmer mon grand. Merci. Alors, bon je suis pas entièrement sniper. Voilà. On va prendre le sniper.
suis fait repérer, ça y est. Je pensais être assez fufu pour pas... Il crève, c'est bon. Et hop. Il va crever peut-être, non? Oh, des chasseurs. Bon. Chasseur, c'est pas chiant. Alors par contre les amis là, faut que je change d'arme. Voilà, et de 1. Là, de 2. De 3. De 4. De 5. Attends les chasseurs. Voilà, et le dernier chasseur il est où? Fait que je tue le minou. Faut que je tue le minou. Mais non. Pas que je suis minou parce qu'il y a un chasseur derrière. Oh, les chutes de framerate, on les sent. On s'en souvient encore un coup. J'ai bientôt plus de munitions dans cette arme là. C'est génial. Alors, où est-ce qu'il est? Bizarre quand même la cachette, hein, mais bon. Encore 6 avant-postes, les gens. 6 avant-postes. Et là, on va commencer à donner, on va commencer à avoir des armes plutôt puissantes. Alors j'ai pas d'hélicoptère. Nouvelles activités, hop. Nouvelles activités dispo, c'est pas mal. Hop, donc ce qui va se passer c'est qu'on va aller au deuxième avant-poste. Parce que j'enchaîne les avant-postes là. Pas de... de modification de... de munitions bien quoi. J'ai pas d'acheter de munitions. On enchaîne. Et où le prochain? Tiens, tant qu'à faire pour savoir si on en fait plusieurs encore. Là je verrai. Faut jouer à la même vitesse, faut que je mette juste à côté de lui, donc la flemme. Ah j'ai égalé. Ouais. Ouais. Bon, et ben on va aller refaire un deuxième avant-poste, ouais, parce que. Enfin. Faut que je loupe aucune balle. Si je veux être bien discret. Bon, y a pas d'alarme. Oh ça. Qu'il n'y en avait pas.
On se cache. On se cache les gens. Par contre, question munitions, ça va devenir chaud là. Y a pas d'armes. Oh, pas beaucoup de munitions. Ça ne servait absolument à rien de prendre cette arme là. J'ai fait exprès de viser la tête hein, les gens. Encore ? Là ça me tire dessus à mitrailleuse lourde. Soigne-toi, s'il te plaît. Oh. Par contre il se soigne tellement lentement. Je sais pas s'il y a une compétence pour soigner plus vite. En question de munitions ça va devenir chaud voilà. Ça va vraiment devenir chaud. Hein. Bon, ce qui est bien, c'est que les armes se sont pas montrées. Voilà. Bon, deux avant-postes. On va en faire un troisième. On va racheter des munitions. Puis on va aller en faire un troisième. On enchaîne. On enchaîne tout là. On est chaud là. Donc c'est en haut. J'ai vu la porte. Donc là, ils ont tous la même forme dans le nord. Hop, je te laisse enchaîner parce que je suis un fou. MP5, hop. Hop, et sans priorité, sans hop, et munitions. Voilà. Bon. On va récupérer le sniper aussi parce que... Voilà. Et ensuite, j'ai pas une autre arme de poing qui est plus puissante. Le rebelle. Précision, dégâts. Hop, on reprend des munitions au cas où. Par contre, je sais que cette arme-là a une cadence de tir de ouf. Elle a vraiment une cadence de tir de ouf. Elle fait... Je sais pas si elle fait beaucoup de dégâts sur les gars en... Vous m'avez compris, en... Je l'ai par balle. Hop. Ensuite, ben, on va se TP quelque part. On va se TP là. Dans le premier avant-poste qu'on a pris dans le nord. Et oui, déjà. On a déjà pris 3, 4. Dans 4, on a déjà pris, on a pris 4 d'avant-poste. Il en reste encore quelques-uns. Et puis, on va pouvoir se faire plaisir avec de nouvelles armes. Avec l'argent qu'on va gagner, etc. Je pense que... C'est pas mal. On va aller prendre l'avant-poste. Hop. On va prendre ça. Oh, regardez les sièges comment ils sont détruits. Wow. Le volant aussi. Allez, on fonce. Alors. Allez, on fonce. Et on verra pour dès qu'on aura pas mal de vision, faire la quête de Herc pour avoir le fusil d'arpon. Parce que là, franchement, ça va y aller. Cette arme, elle est... c'est comme un arc. Ça fonctionne comme une... Non, plutôt, ça fonctionne comme une arbalète. Et je pense que ça pourrait être pas mal. Encore la propagande encore.
C'est la région plus montagneuse dans le nord, hein. C'est plus des plaines ou des vallées. Hop. Je m'appelle cette route. Hop. Et bah ce qu'on va faire, c'est que si on prend rapidement sur, on fait encore un autre. Parce que ça, c'est plutôt bien de prendre plein d'avant-postes. C'est pas mal d'action en un épisode, puis après les quêtes, ça va s'enchaîner plutôt rapidement. Encore combien de mètres? 200 mètres. Le mieux, c'est de prendre encore plus de hauteur pour pouvoir péter les armes, pour y aller tranquillement, quoi. Si les armes veulent bien s'afficher, parce que vous avez bien vu dans votre poste que les alarmes c'était pas affiché. Ah là elles s'affichent, c'est bon. Merci. On va essayer de monter encore plus haut. Ah, hop. On va monter à pied cette fois-ci parce que c'est simple de se faire repérer. Par contre elle a pas de silencieux cette arme. Chicarpour. Ouais, enfin là, ça va être chaud de pas se repérer parce que ça arrive. Bon. Les gens, c'est vraiment de la discrétion ça. Bon, alors, please, on se soigne, on recharge, on passe en molotov. Ouf, un chargeur dans sa tête. Il y a une bestiole, une panthère je crois. Hop. Wow, il m'a fallu des balles à lui, hein. Non Clem, t'es pas dans une frag movie. Putain, hélico, c'est sérieux, hein. Calm down. Hey. Les échos ils sont vénères dans ce jeu. Ah bah c'était bon. Bon.
J'étais vraiment très discret dans ces avant-postes, hein. Waouh. On va se laisser là. On va vraiment se laisser là, ouais. Donc j'espère que ça vous a plu cet épisode plein d'action, parce que pas mal d'avant-postes hein, quand même. Donc si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous. Hein. Et puis on se retrouve dans un prochain épisode. Allez, à plus, c'était Oura.